Rap, ça... Oh, ça me fait bizarre de me voir à la caméra. De l'autre côté, ma belle. Oh. Salut les gars. Attends, j'ai un petit cadeau que tu dois porter pendant la vidéo. Attends, mais pour nous dire bonjour d'abord, non? Vas-y, ok. Oh non, ça, c'est mort. Dans la table. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tinge. C'est moi. Skina, elle est grave stressée. Ah ouais, là je suis en stress de ouf. Elle là. Croit vraiment que j'ai 1 million d'abonnés. Mais je sais que tu vas les avoir, donc ça veut dire que tôt ou tard. En gros, je vous explique le principe de la vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais là on a un peu échangé nos nationalités. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis d'origine algérienne. D'ailleurs, vous me demandez souvent sur Instagram, je suis quelle origine. Je suis algérienne. Ma mère elle est kabyle et mon père il est algérien. Et elle, moi, elle est serbe. 100% serbe. Mais pas à fond. Que serbe. Par contre, s'il y a des serbes sur ma chaîne, commentez s'il vous plaît. Genre pour savoir si vous êtes une légende, si vous existez vraiment. Ouais, si vous faites donner de la force et tout pour montrer qu'on est là. En gros, de base, le principe de la vidéo, je voulais lui faire tester mes spécialités de mon pays et elle du sien. Ouais. Mais bon, Algérie, on connaît, on reconnaît et on reconnaît. C'est du vu et revu. Donc je me suis dit, on va apporter un peu d'exotisme sur cette chaîne. Voilà. Et du coup, on s'est dit la Serbie quoi. Ouais. Faut savoir que hier matin, je me suis levée super tôt pour aller à l'épicerie serbe pour sa vidéo. Donc voilà, je pense que ça a mis des. Bon, du coup, on va retirer notre t-shirt parce que ça allait 2 minutes, c'était juste pour l'intro. Donc, on a clairement copié le concept à Joan Pabst et Rubaba, House of Airbnb. Et la vidéo était drôle, donc je sais pas si on sera aussi drôle qu'eux, mais en tout cas. Je pense pas parce que Joan Pabst. Ah non, faut pas que je dévoile mon amour. On étouffe la terre. Et du coup, voilà, on les a copiés, c'est dit, c'est fait, c'est pas la peine de nous dire qu'on les a recopiés. Attends, déjà pour commencer, je veux que tu me dises un peu ta base en serbe, que tu dises un peu les mots que tu connais quand même. Pour montrer aux gens que t'as quand même une petite base. Moi personnellement, je sais dire volumté, c'est je t'aime, je crois. Ouais. Elle me le dit tous les jours. J'ai votre moi, c'est ma vie. Voilà. Donc en gros, vas-y, je te laisse te présenter, mais en serbe. En serbe. Et je vous ferai la traduction parce que. Je comprends ça. Voilà. Donc, ciao, ya se zovem Kristina. Salut, je m'appelle Tina. Kristina. Imam 22 godine, živim preko Pariza. Habite pas loin de Paris. Voilà. Mais t'as oublié une petite. Ouais, t'inquiète. Ok. Et du coup, bah voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir, non? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc ouais, donc elle a pris des petites sucreries genre chips, des petits gâteaux. Voilà, des petites boissons, du sucré salé, un peu tout. Mais pas de plats préparés et tout, c'est juste des trucs qu'on mange, voilà quoi. Quand vous avez un petit creux quoi. Exact. Franchement ça donne pas trop envie mais on veut pas juger comme ça. Je te jure c'est bon. J'ai le drapeau serbe. Tu vas venir goûter les trucs? C'est vrai. Tu vas venir goûter aussi et tu vas donner ton avis. Non mais pas goûter maintenant. Ça a l'air. Périmé carrément. C'est grave un gamin. Okay. On veut ramener la communauté. Voilà, oui. Oh, je suis un ouf, j'avoue. J'aimerais pas que c'est un gâteau à la banane. Non, c'est genre les pims de Serbie. Attends, je vais rétablir un truc. Pourquoi tu vas pas voir ça en Algérie? Non, j'ai pas. Si, t'inquiète. Mais. Après, aïe, aïe, aïe. J'ai envie de goûter. Tahia. Des aides. Les hommes. Ah, viens, on fait notre photo. On a de. J'avais une miniature. C'est la main. Voilà. Non, regarde, c'est la miniature. Du coup, Zach, il est resté pour la dégustation serbe avec nous. Et il y avait Shirazad aussi, notre copine, qui a goûté quelques trucs. Mais elle pouvait pas tout goûter parce qu'elle venait de faire un blanchiment dentaire. Et Tina aussi, d'ailleurs. Par contre, j'ai soif. T'as soif? Bah, vas-y. Un gobelet, je vois comme ça, à la bouteille. Ouais, bah ouais, de toute façon, il est petit le truc. Tu veux boire? Putain, c'est quoi ce merdier? Ah, c'est un jus de cerise. Non, c'est pas Vishna, c'est pas de la cerise, c'est. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle en français? Raisin, gros. Non, des cerises. Non, attendez, je vais regarder parce que. Ça, c'est quoi les cerises? C'est des cerises. Non, mais c'est des. Non, trechnia, c'est des cerises. Vishnia, c'est autre chose. Attends. Nectar de griotte à base de. Griotte, voilà, c'est ça, c'est de la griotte. Pardon. Pourquoi je m'excite? Mais nous, en Serbie, on a tout le temps des jus de fraises et tout. En France, on boit pas trop ça, je trouve. Non. C'est pas bon. Parce qu'on a. C'est super bon quand je vais. Je bois du danao à la fraise, c'est pas bon. Enfin, c'est bon, mais voilà. Moi j'aime pas trop perso, mais on va goûter. Les haters. En plus, Tina, la vidéo va être grave énervée si elle aime pas. Ah, de ouf. Moi par contre, quand on aime pas les trucs sur la Serbie, t'as vu, je mets dans la bouche. Zach d'abord, vas-y, prends un, Tu me dirais un jus de confiture. Ça a le goût de cerise en fait, mais genre de l'eau avec de la cerise. C'est pas. C'est pas un goût de ouf, genre. T'as goûté? Mais goûte, s'il te plaît. Mais il veut pas goûter. Pas trop. Mais goûte, tu crois que tu vas goûter? Non, mais Zach. Mais goûte! Pas d'intéressant. Franchement,
franchement, ça n'a pas trop de goût. Ça a le goût de la cerise avec de l'eau. Vous avez vu son dégradé update? J'ai été chez le coiffeur. Non, ça se boit. Franchement, ça se boit. Voilà. Il n'y avait pas le jus que je préfère, que moi je prends tout le temps, c'est le sok od borovnice. Et c'est quoi? C'est myrtille borovnice. Non, ça va, ça c'est bon carrément. Ouais. Oh, c'est pas un truc de ouf, mais ça va. Ouais. Ça, c'est le truc en vrai. Soit t'aimes, soit t'aimes pas. Je crois que j'ai déjà goûté un bail comme ça. Non, je te jure que dans Kaima, que t'as jamais goûté. J'ai déjà mangé du fromage chez toi en tout cas. Et tu m'as dit que c'est ouais, du fromage serbe. Oui, énervé. Non, 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 c'était pas ça. C'est entre le fromage et le beurre en fait. Tu vois, c'est. Bon, non, mais je te jure. Vas-y, je te fais. C'est super. Bon. Ah bah non, tu veux pas, putain. Ah, mais forcément aussi, tu mets tout le pot là. Non, mais toi, tu kiffes. Non, mais. Moi, je savoure. Je savoure. Mais je te jure, c'est trop bon. T'es un peu une actrice par contre. T'es pas emballé déjà. Non, ça va. Non, ça va. Donc t'aimes bien une note sur 10. Ah, on a oublié de faire les notes sur 10. Ah ouais. Ouais. La cerise. Le jus. Si, c'est demi. C'est demi. Bon, ok, ça va. Ça, 8, ça peut être ça. Ouais, ah, vrai ouais, ah, je suis contente. Attendez, j'ai pas goûté. Ah, je suis grave contente. Je me sens grave saucée là. Ça, tu vois, en plus, c'est quoi qui est bien? En plus, ça vient de ma famille. C'est ma famille qui le fait. C'est quoi qui est bien? Hein? C'est que c'est pas. Comment dire? Ça surprend. Tu vois, voilà. Ah, c'est bon. Non, ça peut être ça, mais. Ah, je suis désolée, moi j'aime pas. j'étais emballée et tout, je regarde son aliment. Ouais, parce que t'as pas pour les fois quoi. Moi, attends, je sortirai la machine. Mais toi, t'es très dur en nourriture, Farah, non? T'es pas dur en nourriture? Tu sais, j'essaye de me rassurer comme je peux. Personnellement, c'était pas ce que j'aime, donc je mettrais un 4 sur 10. Mais c'est. Oh là là, t'auras des dislikes parce que le Kaima, tu touches pas, genre. Non, mais je suis désolée, mais. Non, mais c'est ton avis. Mais caprice des jeux Kaima, il faut caprice des jeux. Ouais. Donc, je souris, moi j'ai bien aimé, je mettrai un 7 sur 10. Okay. Genre, je suis chez Tina, elle me sort ça, je dis, oh trop bien. Franchement, pour l'instant, ça va, ça se passe bien. C'est la meuf qui veut grave se rassurer. Ça va. Ça va. Ça va. Là, je pense qu'on va goûter un truc bon. Bah, franchement, je serais dégoûtée si c'est pas bon. Non, bon, en fait, c'est banal, tu vois. Ah ouais, ça a vraiment le goût, enfin l'odeur, le goût, l'aspect des curly bits. Ouais, c'est un curly bits, genre. Ouais, c'est vraiment, vraiment des curly bits. Ouais. En soi, 8 sur 10, c'est bon. 8 sur 10. Je suis pas fan perso des chips en général, donc voilà les trucs. Goûte. C'est des curly bits. Tu veux en présenter sinon? Ouais, bah oui. Ça part pour, mal. Pour moi, c'est exactement comme les curly bits. Exactement. Et tu vois comment je suis fort, c'est incroyable. Okay. Du coup, c'est des curly quoi. Ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Bon, en soi, c'est pas très original, mais vas-y, la marque, c'est grave le truc que je mangeais en Serbie et tout, donc je me suis dit, je vais prendre ça. Par contre, évitez de parler quand je parle. J'avais 15 ans avec toi. Mais j'avais un check avec toi, t'as ouf ou quoi? Eh, mais vous continuez en plus. J'avais un check avec Sophie. Ah, je me permets. Non, mais on n'a pas encore goûté ça. On passe à l'étape suivante. Ah, bah vas-y, passe à l'étape suivante, vas-y. C'est une position incroyable. Là, c'est le Fanta Chocolat, c'est le Fanta bleu. Franchement, en France, j'en ai jamais vu. Et je sais pas s'il y a qu'en Serbie, je pense qu'il y a dans tous les Balkans. J'ai jamais non, moi j'en ai déjà vu, moi. Où? Je sais pas, peut-être en Turquie ou Japon. Bah, peut-être, voilà ce que j'allais dire, dans les Balkans, quoi. Et. Je sais pas ce que ça veut dire. Bah, c'est la région là-bas. Ça dit quoi? C'est ça quoi? D'abord, tu vas voir, je vais pas te dire. Ok. Tu vas pas trouver. Moi, je pense que c'est. T'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Mais c'est pas. Je prendrais pas ça au grec, quoi. Ah, ça me rappelle un truc, c'est hyper bon. T'essayes à quoi? Litchi. Ah, c'est vrai, peut-être pas du tout. On dirait, mais c'est pas du tout. C'est trop. C'est une plante. Mais ouais, c'est cette plante-là. 9 sur 10 Ouais, 9 sur 10. Ouais, c'est bon. Attends, mais je peux goûter du coup. On a droit au soda, Shira? 7 mois. Je sais pas. 7 Vous faites quoi là? Elles ont fait un blanchiment dentaire. Je peux pas voir les trucs colorés, tous les sodas, tout ça, je crois. Si tu peux. Soda, je peux? Limonade, c'est bien. C'est quoi votre truc? Vas-y, fais une pub là dans la vidéo. Je viens de dire non, je suis pas son cerisier. Bon, on finit les trucs salés, on passe après au sucré. Les poivrons. Ah, ça se mange comme ça? Ah, ça, je m'obtiens. Attends, montre s'il te plaît. C'est des poivrons. Mais en fait, pas fait comme ça chez moi. Dis-moi que t'as un accompagnement. Absolument pas. Mais tu non? Moi, je kiffe. Ah, comme ça, tu le manges? Ouais, comme c'est ça. C'est trop gros. C'est farci, genre au froid. Ah, si c'est le ce fromage, j'abandonne. Tu le dis. Non, non, c'est du feta, je crois, à l'intérieur. Ça me réfugne. Du coup, ça se mange. Bah, tu vas en prendre un autre sucré. Non, je peux pas. Ouais, non, là, c'est rouge. Vraiment, je peux pas. J'aurais bien voulu, hein. Non, je pense vraiment que t'es une actrice et que t'aurais jamais mangé ça. Et c'est de l'huile, le truc là, là. Ouais, c'est de l'huile, ouais. Ah, ça a l'air vraiment pas bon, mais en plus de quoi. Ça me dégue. Genre la pire. Moi, je mange d'une traite, gros. Alors, c'est sûr, ça mange pas. Mais ça va, regarde. Genre, ça va comme ça. On sent pas trop le fromage. Mmh. C'est bizarre, on dirait un peu du feu-feu, genre. Ah ouais, oui. Mais. C'est quoi ça? Poivron. Ah. Des poivrons, mais genre. On sent pas le fromage.
Allez hop, moi c'est mon joker. Moi c'est un joker. Non, il n'y a pas de joker. Si, non, mais non. Ok, bah les prochains trucs, t'as pas de joker alors. Sauf pour le pimps. Non, en fait, pas ouf. Mais c'est dégueulasse, gros. Tu peux noter, s'il te plaît. Je vais prendre mon petit 9 sur 10 là. Pour faire passer le truc. Mais ouais, non, lui, je lui mets 3. Deux persos. T'as même pas goûté. On va passer à Ivar. Donc c'est un peu du... C'est un personnage d'un viking. Comment on appelle ça? Un infirme. Ce qu'on veut viking, mettez un like. Dis-moi pas qu'il faut que tu reprennes du service. C'est pas le mec parce que t'as galéré quand même. Le réussir, je vais forcer. Vas-y, passe. C'est n'importe quoi ce que tu peux me faire. Il a l'air de poivron. Voilà, bah tiens, il y a marqué. Ça te fait rêver ça. Genre c'est bon. Ah Ivar, moi j'aime bien, je tape comme ça à la cuillère. Ah mais c'est du poivre encore. Ouais. Vas-y viens, on commence ensemble. Ah, si ça me salit, je raquitte la vidéo. 1, 2, 3. Par contre t'es grave une actrice parce que t'as pris un petit bon quand même. Oh c'est bon ça. C'est pas bon. Nul. Je comprends pas le plaisir. C'est nourri, c'est tout. 3. Une note, 3, une force, vas-y. 5. Combien 5. C'est bon mais c'est pas ouf. C'est bon mais je tape pas ça à 4 ans quoi. Ah ça j'ai peur. Ça je te jure ça c'est bon. Alors là c'est du... Ça se voit que c'est technique. Là c'est du Urnebes. Pourquoi t'en mets autant? Non mais oh non, mais t'as raison. Ça va m'agresser sur le palais. Mais non, mais... Après... Farah je te sens pas du tout convaincu à la caméra. C'est un cocktail de saveur. Ouais. C'est très bien dit. Non mais un bon cocktail de saveur ou... C'est grave bon. C'est grave bon? Ouais. Ok, Farah, toi t'aimes pas, je le vois direct à ta tête. Mais à chaque mâché, il y a un truc différent. Genre. Ouais, c'est un cocktail de saveur. C'est stylé. 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais. Et hop, je reprends. J'ai pas mangé. On dirait un peu du boursin en fait. Ouais. Mais en mieux, j'avoue. Ouais, voilà. Putain, hey, tu m'arraches les mots de la bouche. Donc ça, c'est validé? Ouais, le Urnebes. Franchement, l'aspect, vraiment, vraiment, ça payait pas de mine. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a du liquide autour. Ok, attends, combien t'as mis toi? 8. 8, toi? Ouais, 7 et 8. Ok, pas mal. Franchement, je suis contente. Donc là, ça y est, là, on passe au sucré là. Ouais. Bah, c'est bon, je crois que je peux partir de la vidéo. C'est quoi ce merdier là? Je te jure, c'est trop bon. Des crèmes bananes, c'est trop bon. Du chocolat avec de la banane au milieu. Je te jure, c'est trop bon. Mais où? Ça, c'est des bonbons, j'aime pas, c'est surcoté. Ça, c'est des cigares, genre? Mais non! Ah, c'est de la pâte à tartiner. Non, c'est de la pâte à tartiner, ouais. Oh ça, c'est horrible, c'est horrible. Je vais ramener la meilleure pâte à tartiner du monde. Attends, c'est pas Nutella, je mange pas. C'est super sucré, par contre. Je te fais goûter. Mais ouais, c'est des créma, y'a rien qui va. Non, Zach, tu vas goûter quand même. Que mon père pourrait me le faire. Que mon daron. Et mon père, ça, je vais lui donner après. Il va être content. Et il va être ravi. En gros, c'est du chocolat avec de la banane à l'intérieur. Ah, c'est tout moi. Non, mais c'est pas la peine de nous. Oh là 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 là. Déjà, il y a erreur sur la marchandise. Ah, moi j'avais pas compris ça, j'avais compris. Ça, c'est l'intérieur. Bah, non, c'est l'intérieur. Ça me répugne. Franchement, c'est trop bon. Et en toute honnêteté, ça a l'odeur des pins. Mais c'est trop bon, les pins. Oh là là, c'est un truc de gueux. T'aimes bien les pins, toi? Mais qui aime pas? Ignoble, personne. C'est pareil, c'est pareil. C'est trop bon. Il y a que vous. Attends, j'ai jamais senti. Ça a l'odeur des pins. Tu mélanges pas du chocolat avec de la banane. C'est trop bon, je te jure, c'est trop bon. Goûte, s'il te plaît, juste un gros. Tiens, Zach, je te donne la plus grosse. Oh là là. C'est oui. Un comédien. Ah mais c'est des oursons en fait. C'est trop bon, on est d'accord. C'est vraiment des oursons. Attends, ça a le goût de la banane en fait, j'avoue. C'est trop bon. C'est vraiment comme des oursons. Vous voyez les petits oursons à la guimauve là enrobés de chocolat, c'est vraiment ça. Sauf que la guimauve elle a un petit peu un goût de banane et c'est vraiment pas bon. Personnellement, je suis choquée. Moi je trouve ça super bon. Faut vraiment être fou dans sa tête pour manger ça. Vous pouvez faire, on est des fous alors parce qu'on aime trop ça. Non, impossible de pas manger. C'est une mytho, même ça. Ma mère, ah, mais t'es ouf! Mais ma mère elle kiffe ça. Hein. Mon père, mon frère, mais tout le monde, on mange tout ça. On mange tout ça. Donc là, on va passer au bonbon. Bon, en soi, y a rien de fou quoi. Ah, fais un effort. Et vous devez me mettre des pressions aussi. Mais ça, c'est comme les. Tu vois les bonbons? Ouais, je vois, c'est toi qui parle. Faut choisir mon goût parfois. Vas-y. On bosse. Quel goût nul! Non. Le goût des palais fins, palais raffinés. Alors qu'il se nourrit essentiellement de grec. Quelque four, Biggie Fish, nature sur mon chef. Meilleur contre l'histoire. Je viens le grec, je lui dis comme d'hab. Franchement, c'est le côté nostalgique. Hein. Ouais, c'est le côté nostalgique. Mais sinon, en vrai, c'est des bonbons. Ouais. Mais bon, c'est la marque, tu vois. Mon père, ils m'ont ramené grave quand j'étais petite et tout, du coup. Alors maintenant, on va passer à ça. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a l'air. Eurocrème. Non, c'est bon, c'est une pâte à tartiner en gros, mais il y a deux côtés. Il y a le côté blanc. Oh là là. Non, non, je déteste ça. Il y a un côté blanc. Et le blanc, c'est censé représenter quoi dans la diversité des aliments? Je sais même pas ce que c'est. La noisette, peut-être.
Oh là là, je rêve. Oh mais c'est une blague. On est où là? C'est un prank. Non, it's a prank. Mais vous êtes des ouf. Quoi que l'odeur, oh, ça va. T'as l'air vénère. Ouais, Moi je vais me doser. Eurocrème. Ah il y a le crème dedans. Ouais. J'ai capté. Exact. Ça va ou pas? Tu veux m'en laver trop. T'es deux. Non merci. Ça arrive trop sucré non? L'odeur elle a l'air meilleure que vous. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais mais c'est nul en fait. Ah, si le goût des blancs il est incroyable. Mais c'est du Nutella en fait. Non. Comme si tu me proposes un Samsung, non, contre, c'est... Samsung. Non, 2027, non, le côté blanc il est incroyable, je suis désolée. Mais le côté quoi? Le côté blanc il est incroyable pour moi. Franchement, ils ont tout, c'est Samsung. Mm. Tu vois, il peut faire un zoom à 3000 km des fonctionnalités de ouf, mais j'aurais rien. Je serais toujours chez Apple. Eh, je parle pas avec vous. En fait, on n'a pas le même palais, je pense. Non, mais parce que toi, t'as plus. Vous avez un palais éclaté. Si c'est du caca enrobé de pipi et que c'est serbe, tu vas dire franchement. C'est grave. Non, non, y a des... Si je peux me permettre, franchement, tout ça là, ça donne pas envie. Alors tu vois ça, ça donne pas envie. Ah ouais, déjà les packaging, c'est pas ouf quoi. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un ça? Franchement, personne mange ça. Il ment pas, il me dit même pas de vaisse. Mais je te jure que quand j'étais petite, j'en mangeais grave. C'est un biscuit. Oui, c'est un biscuit. Bah oui. C'est nul, c'est nature. Attends, vous avez pas noté le Eurocrème par contre? Ah, peut-être qu'avec le biscuit, c'est plus mieux. Ouais, vas-y, tu peux être en mélange. Non, merci. Il est fort, dis-lui qu'il force en commentaire s'il vous plaît, parce que là. Mais il goûte mieux. Déjà, il a un petit morceau, il va même pas. Ça, j'ai croqué, j'ai la gorge sèche. Faut boire avec du thé, un truc comme ça. Non, mais par contre, c'est bon. C'est nature, quoi. Ouais, c'est nature. Tu prends pas de risque. Non, mais je pense que le pire, là, je l'ai en visio, c'est lui. Vous êtes des ouf. Mais tu sais que moi, attends, j'avais fait le top. Et pour moi, après, si mon père, il aime pas, c'est que c'est une bonne les cheveux. Mais moi, c'est mon top 1, lui, de tout ce qu'on a mangé, là, je crois. Je peux pas manger. Et dedans, et tout, beaucoup moins cheveux. Mais je te jure, je le tape 1000 fois chez moi. Ça, pour moi, t'as moins de 40 ans, tu peux pas aimer. Ouais, c'est vraiment t'es bizarre. Mais Chira, toi t'aimes pas la banane? C'est bon la banane, mais pas avec du chocolat, ouais. C'est bizarre, toi. T'as jamais vu banane Nutella? La gomme père qui vend du banane. Mais vous êtes bizarre. Mais dites-leur qu'ils sont bizarres. Du coup, c'est fini la dégustation là? Voilà, c'est bon, on a fini, hein. On a tout fait. Attends, venez, on fait un petit classement quand même. Ouais, vas-y. Top 3 d'abord. Le combo il est pas mal. Hein. Top 3, les deux trucs au fromage direct. Ouais. Alors déjà, en fait, et le troisième, le Fanta. Allez hop, c'est fait, c'est dans la boîte. Moi je vais dire Fanta. Non, mais attendez, là je suis en train de remanger le côté blanc, je vous jure. Ouais, je crois qu'on m'a pas abusé. Attendez, je suis gênée, moi je sais devant la caméra. Ah, j'étais vraiment bizarre, putain. C'est trop bizarre. Ouais, c'est quoi ce même dit là? Ah, c'est trop bon. Ah, je vais grave le ramener chez moi, je trouve. On va dire au revoir en serbe. On va dire au revoir. Non, en serbe. Ciao. Non, David Jenia. David Jenia. Salut mec. Vas-y. Dis tes trois meilleurs et tes trois derniers. Donc numéro 1. Numéro 2. Ça? Non, je vais prendre numéro 2 parce que ça m'a agressé quand même. Celui-là, je le garde pour mon top 3. Je cherche le 2. T'as vraiment pas aimé grand chose. Hein. T'es pas fou là. Après, je vais l'emmener en Serbie, elle va mourir là-bas, je pense. Ouais, peut-être ça. Bah, j'ai bien aimé les boissons. Deuxième, jus de cerise. Et troisième, je dirais le fromage. Ah, et le gars, pas du tout. Et lui? Ah, ça, j'ai pas du tout. Ah ouais? Et les trois derniers, oula, ça se précipite. Et la banane c'était chaud. Ah ouais? À la sala. Mais moi je kiffe ça, mais tu sais que tout le monde kiffe. Non mais la banane c'est fort. Ah, ça, mais c'est vous êtes dingue. Des ouf ou quoi? C'est trop bon. Ça même toi je pense que tu kiffes pas genre. Pourquoi? Si ça va. Pas, non j'avoue pas ouf. J'avoue. Genre, c'est pas... pas ouf mais ça va, ça passe. Et ça vraiment beaucoup de buzz pour rien. Déjà c'est énorme. Ouais bah ouais parce que j'ai envie de le taper chez moi en fait. C'est beaucoup de m'énerve ouais. Franchement. Et... En fait, je pense que c'est des jaloux. Voilà. Ils veulent pas dire c'est que. Pas bon. Non, c'est pas pas bon. En vérité, c'est pas bon. Mais quand tu connais Nutella, quoi, tu vas pas aller acheter ça. Si. Donc voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes serbe, dites-nous si vous aimez ou ouais. Si elle fait l'actrice. Non. Franchement, gros billet Patina qui a accepté de venir sur la chaîne et nous faire découvrir
son pays. Ouais. Ses racines. En tous les cas, merci si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici, Farah Cookie. Et du coup, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. J'espère que j'aurai des...